Saint et mystère glorieux, nous couronnons Notre-Dame dans le ciel. Ô Marie, vous êtes ma reine, et je veux toujours vous obéir et vous plaire. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom se sanctifie, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était en ce moment, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Joseph, Sainte-Marie, mon Dieu, gardez-nous à nous, la paix, le Père, le Saint-Esprit.
quatrième dimanche après la Pâque. Donc il y en a encore un. Et après, dans la semaine, ce sera l'ascension de notre Seigneur. Donc, c'est toujours le vétérinaire de Pâques et le curial est un Pascal. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet et qui defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Profitez votre vincita de Dios, Dios, mi asegurada, des animés, de quoi je me dégage, mais les gloria, par le Fils, le Scriture, le Saint-Clan, si vous êtes en chemin, le Saint-Clan, si vous êtes en chemin, introuvez de la balle et des hymnes. Allez, on va se dire, mes amis, profitez de votre vincita de la vie, le Saint-Clan, 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 Seigneur, mes amis, miséricordia, en toi, ma salutation. Devenez exaltation, devenez en ma cœur, devenez solution. Prions. Cantate Domino, cante comme novo, alléluia. Quia minibe, bevia feci dominos, alleluia. Ante constectum gentium, revelavitus sitiam suam. Alleluia, alleluia, alleluia. Salva vitibi dextera eius, et brachium sanctum, sanctum eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Domino canticum novum, alleluia. Quia mihi habilia feci Dominus, alleluia. Ante constectum gentium revelavit justitiam suam. Alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias tutti, alternam aliam cordiam tuum, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium digenitem, Iesu Christum, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, vita omnis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, da populis tuvis sit amare quod precipes, in desiderare quod promites, ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sunt corda, ubi vera sunt gaudia, per Domum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et in eternitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Jacobi Apostoli, carissime, omne datim tum optimum, et omne domum perfectum, Christus omnes, et omnes apatrium, apus te domes transmutatio, et qui fici utile solum gratio. Voluntarii et ingenuit nos verbo veritatis, Pusimus initium alicot creatur de eius. Scitis fates mihi dilectissimi, si autem omnis homo velox ad odiendum, tadas autem ad loquendum, et ad adulus ad iras. Ira inim fili justitiam Dei non operatur, Proper quota vicientes omnem immunditiam, et abundantia malitiae, in mansuetudine suscipite, in situm verbum, quod potes salvare animas vestras. Alleluia, alleluia. Dexter Domine fecit virtutem, dexter Domine exaltavit me. Alleluia, Christus, resurgens ex mortuis, sham non moritur, moscili ut non dominabitur, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Iohannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore,
Dixit Jesu discipulis suis, vado a teum, qui visit me, et nemo ex vobis intrac me quo vadis. Sed quia eclocutus um vobis, distitia in plebit cor vestrum. Sed ego veritatem digo vobis, expedit vobis ut ego vadam, si enim non abiro, Paraclitus non venit ad vos, si otem abiro, mitam eum ad vos. Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio. De peccato quidem quia non periderunt in me, de justitia vero quia ad patem vado, et iam non videbitis me, de judicio autem quia princeps suius mundi iam judicatus est. Aduc multa habeo vobis dicere, sed non potestis partare modo. Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docepit vos omnem veritatem. Non enim loquetur, assemet ipso, sed quecumque audiet, loquetur, et que ventura sunt, annunciabit vobis. Ille me carificabit, quia de me accipiet et annunciabit vobis. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le quatrième dimanche de Pâques. Demain, lundi, Saint Bernardin de Sienne, confesseur. Mardi de la Féerie. Mercredi, jeudi de la Féerie. Vendredi de la Féerie. Et en certains lieux, Notre-Dame Auxiliatrice. En Australie, notre Marie Auxiliatrice et patronne. Samedi, Saint Grégoire VII, pape et confesseur. C'est un très grand pape qui, dans un temps où l'Église devait disparaître, humainement parlant, il a sauvé. Donc, enfin, disparaître, ça veut dire devenir sous l'emprise de l'État, avec la querelle des investitures. Donc, normalement, l'Église serait devenue comme toutes les autres sectes, enfin, pas les autres sectes, mais pas l'Église, pas les sectes, mais je veux dire toutes les autres qui se nomment Église, mais qui sont des sectes, comme la secte orientale schismatique, qui est sous l'emprise de l'État. Donc, avant, dans le temps du communiste, c'était les évêques étaient des membres du KGB, et maintenant, voilà, ils sont dans. Sont d'accord avec le régime, et le régime l'utilise, l'Église, enfin la secte schismatique orientale. Et Poutine va tous les dimanches à la messe, il va consulter un moine sur une île. Donc, ça c'est bien ça, d'être allé à la messe et consulter, mais la relation vient de deux côtés.
Alors, c'est un abus de pouvoir qui est dans la nature déchue de l'homme. Dès qu'il a un pouvoir, une richesse, un talent, il va être tenté de l'abuser. Et ça se passe. Et de plus qu'il y a des talents et de pouvoir, de plus qu'il y a ces tentations. Donc, de tout temps, les gens au pouvoir ont essayé de contrôler l'Église, puisque l'Église était au-dessus de l'État. Jésus a dit « Allez et enseignez les nations. Celui qui enseigne est plus que l'enseigné. » Celui qui donne est plus que celui qui reçoit, c'est normal. Alors, l'Église est au-dessus, et l'État est en dessous. Il doit être soumis à l'Église, à ses principes. L'État doit, sous peine des péchés mortels, les gérants, les gouverneurs, ne pas faire des lois qui sont contre les 10 commandements. Ne pas accepter l'avortement, etc. Vous savez ça. Donc il y a une cette tendance parmi les Allemands ont plutôt essayé de vouloir une emprise directe sur Rome. Les Français plutôt, les rois français, enfin les mauvais, ont essayé, les clergés ont essayé de se dérober à l'emprise de Rome et faire pratiquement une église autonome, le gallicanisme. Donc il y a toujours cette tendance de... Voilà. Et Grégoire VII, il a sauvé l'Église, c'est magnifique, c'est une... Grégoire VII, c'est le sujet d'une grâce efficace. Et la grâce efficace, c'est quelque chose de la gloire, du ciel. Comme il y avait deux évêques après le concile qui avaient une grâce efficace. Mais une grâce efficace, c'est une grâce suffisante qui est acceptée et qui se réalise. Mais parfois, une grâce efficace peut être vraiment efficace, ça veut dire absolument efficace. Que ce n'est pas possible et que cette grâce n'aboutit pas, parce qu'alors Dieu, il est frustré dans ses promesses et ce n'est pas possible. Dieu triomphe ses promesses. Les portes d'enfer ne prévont pas contre l'Église, donc il y avait un pape, quelqu'un qui devait faire que l'Église sera au-dessus d'un empereur qui va faire n'importe quoi avec l'Église. Mais avec Vatican II, c'est la même chose. Il y avait tout le monde avait dévié, mais tout le monde, c'est dans le sens de pratiquement tout le monde. Mais Dieu tient ses promesses, donc il a pris deux évêques, Mgr Lefebvre et Mgr Casamayor, pour tenir bon. Avec une grâce extraordinaire, parce qu'ils étaient noircis, ils étaient attaqués, vous êtes désobéissants, vous êtes schismatiques, vous opposez à un concile, un pape infaillible, vous êtes fous, quoi, vous êtes retardés, enfin, vous faites la révolte, c'est pas possible, vous êtes Satan, c'est le diable. Ils ont eu tout ça sur sa tête, sur leur tête. Ils ont tenu. Et on sait maintenant que ce sont eux qui avaient raison, mais moi j'étais dans ces tempêtes à l'époque, c'était pas une petite chose. Hein. Quand on disait le faire, on pensait de parler du diable. Hein. C'est comme ça, c'est présenté comme ça, c'est fort. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, une église on a, et c'est la première fois qu'on est confronté avec des papes hérétiques. Celui à Rome, il commence à dire des choses contraires à la foi, et maintenant, c'est pas à réfuter, hein, parce que on a réfuté, on a dit oui, mais Honorius Vigilius a voulu dire ça, c'est pas vraiment comme ça. Et Honorius, il a tenu le silence. Mais tenir le silence, si on a le pouvoir devant une hérésie, devant une église, devant un désordre, un péché mortel, si on a le pouvoir et on n'utilise pas, on est coupable. C'est dans tous les livres. Ça s'appelle un péché étranger. On peut avoir un péché personnel qu'on fait soi-même, et on peut avoir un péché, nous, étranger. Ça veut dire qu'on peut être responsable des péchés d'un autre. Et entre autres, parce qu'on a omis d'intervenir quand on avait l'autorité. Alors on est coupable de ce péché comme si on l'avait commis soi-même. C'est dans tous les livres de moi. Et c'est aussi logique. C'est logique. Celui qui conseille, celui qui donne les outils, il est aussi coupable de ce crime. Eh bien, n'a pas intervenu sur la même chose. Donc, le pape libère, le pape Honorius, eh bien, tout le monde, même les plus durs qui disent qu'il n'a rien à faire avec cette affaire, la condamnation, c'est même des fausses bruits.
la condamnation des conciles, c'est quand même les actes de concile, alors il faut que les protestants, il y en a qui disent les protestants ont faussé les actes de concile. Bon. Moi, je suis pas historien, hein, mais je constate que même le plus dur, il doit admettre que Honorius a tenu le silence quand il fallait parler. Eh bien, c'est une forme de semi-hérésie. Il y a plusieurs formes de semi-hérésie, ça veut dire prendre une partie de l'hérésie, ou bien être en amitié avec des hérétiques, ou bien favoriser l'hérésie. Eh bien, se taire quand il faut parler, c'est favoriser l'hérésie. Donc, tout le monde admet, donc on va admettre, même le plus dur, que, vous comprenez ce que je veux dire, que Honorius est semi-hérétique au moins. Mais les semi-hérésies n'enlèvent pas la papauté, c'est l'hérésie qui enlève la papauté. Ça, vous savez déjà, je ne vais pas répéter les choses. Mais Grégoire VII, c'est une figure magnifique, si vous voulez, c'est un moine, hein. C'est d'abord un moine, et c'est une figure magnifique, c'est magnifique. Il a une grâce efficace, mais qui devait... c'est une grâce efficace parce que l'Église devait survivre, donc il y a ces figures qui ont des grâces efficaces, c'est magnifique, c'est l'histoire des héros, quoi. C'est l'histoire de Maccabée, etc., c'est magnifique. Donc ça, Grégoire VII, on a besoin de bon pape, d'avoir quand même l'estime des papes. Il faut avoir une estime des papes et de l'Église. Donc il faut se nourrir des bons papes. Ceux qui sont à Rome ne sont pas des papes, hein. Ce sont des intrus. Dimanche prochain, cinquième dimanche après Pâques. Voilà. Donc je vous rappelle que de temps en temps, il y a des rogations, comme la semaine prochaine, le lundi, mardi, le mercredi. Les rogations... du printemps, disons, à chaque nouvelle saison, il y a les rogations. Enfin, je veux dire, ça va souvent ensemble avec les quatre temps, mais souvent, devant une nouvelle saison, et maintenant c'est la saison, parce qu'on était en grande partie agricole, maintenant encore, on dépend quand même de l'agricole pour la nourriture. Eh bien, on faisait des rogations pour demander les bénédictions sur les agriculteurs vont maintenant travailler, mais aussi pour demander des bénédictions sur toute l'activité humaine et d'arrêter des fléaux comme la peste. Et maintenant, apparemment, on n'a plus besoin de faire des rogations. Avant, des prêtres allaient faire des rogations partout. Partout, le pays était béni. Maintenant, on n'a pratiquement plus besoin. On va voir s'il n'y a pas des calomnies qui vont arriver. Donc, les rogations, en tout cas, moi, je l'ai fait. On peut faire une procession. Donc, il faut faire pas plus chaud pour bénir des champs, des domaines. Si des gens veulent... souvent, on va chez des fidèles qui sont agriculteurs ou qui ont un grand domaine pour bénir leur champ. Donc, c'est possible. Voilà. Alors, probablement, on va encore prendre les décisions pratiques, mais probablement samedi, il y aura Emma Gavlik qui va être baptisée. Enfin, sous condition, c'est certain qu'elle a été baptisée sur les cheveux, et le baptême sur les cheveux est douteux, comme vous savez, c'est dans tous les livres. Donc il faut refaire, et c'est fait. Donc il faut absolument toucher la personne, la peau. Donc, voilà. Donc la personne, si c'est les cheveux, c'est vous et c'est pas vous. Si on coupe vos cheveux, vous êtes toujours une personne intègre. Mais si on enlève un morceau de peau, votre intégrité a été lésée. Donc les cheveux, c'est vous et c'est pas vous. Donc on vous a baptisé et peut-être pas baptisé. C'est vous, c'est peut-être pas vous. Donc il y a le doute. Il y a le doute sur le baptême, sur les cheveux. Si on touche pas la peau, et ça va couler, ça va signifier un lavement de la personne, du corps de la personne, pour effectuer le lavement de l'âme, qui arrive effectivement par la vertu de ce sacrement. Donc on va faire le baptême, et donc voilà. Et c'est très bien. Donc, prions pour cette grande grâce. Il y a encore d'autres personnes qui se préparent au baptême ou le baptême sous condition parce que le doute n'est pas permis dans les sacrements.
Alors on baptise, c'est toujours juste. Si tu n'es pas baptisé, je te baptise. Voilà. C'est toujours juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher fidèle, un petit mot sur l'Évangile. Quand Jésus parle de son Père ou de l'Esprit Saint, il ne faut pas oublier que c'est une deuxième personne qui parle de d'autres deux personnes. Il y a une unité, pas parfaite, mais totale, plus que parfaite. Parce qu'on peut avoir, on peut dire qu'il y a une unité parfaite entre le cœur de Jésus et de Marie. Mais c'est une unité parfaite morale, ce n'est pas physique. En Dieu, l'unité est physique. C'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Et trois personnes. Ça veut dire trois relations. C'est une relation, Père et Fils. Il y a une activité relationnelle en Dieu. Dieu est même pas une lumière parce que, oui, bien, on le représente comme une lumière, mais il n'est pas lumière parce qu'une lumière, c'est encore quelque chose de physique. La lumière vient du soleil, le soleil est physique. C'est encore matériel. Mais il dépasse toute compréhension, qui passe par l'essence. Et quand Jésus parle de son Père et du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit, parce qu'il procède de lui, il va le dire. Paraclitus, si autem abiru mitam eum advos. Ça contre les orientaux, les schismatiques, qui disent que le Saint-Esprit vient seulement du Père. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il m'a marqué « Je, l'Esprit que je vais vous envoyer. » Donc, il procède du Fils aussi. Et ailleurs, il dit que le Père vous envoie. Alors, c'est, il procède du Père et du Fils. « Mitam advos. » Et ce qui est naturellement curieux, mais il faut l'accepter, il faut le savoir, c'est que Jésus, ayant deux natures, Jésus-Christ, la personne est une, mais en deux natures, cette personne peut parler à partir de sa nature humaine, quand il dit « j'ai soif, mon Père est plus grand que moi voilà, », etc. Ou à partir de sa nature divine, comme il dit maintenant « je vais vous envoyer l'Esprit ». Il soufflait sur eux, il disait « acceptez l'Esprit Saint ». Mais c'est la deuxième personne qui souffle le Saint-Esprit avec le Père. Accepter le Saint-Esprit, les péchés que vous voulez remettre sont remis. Donc il donne un pouvoir qui provient de la bonté de Dieu, la miséricorde du Saint-Esprit. La bonté. La bonté est appropriée au Saint-Esprit. Donc quand Jésus parle de lui, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui dépasse. Mais il essaie de nous initier. Il essaie de nous initier en Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est notre avenir. Éternel. Notre avenir éternel, c'est pas d'être architecte, d'ingénieur, d'être artisan, d'être je sais pas quoi, d'être père de famille, de se marier, de faire des trucs machin, de je sais pas tout ce que vous faites, enfin je sais, mais je veux dire, de pas faire. C'est pas notre but, c'est seulement un moyen. Le but, c'est être avec Dieu, entrer dans cette relation. Et c'est un bonheur de Dieu. Est-ce que Dieu est heureux? Et bien sûr, Dieu est malheureux, il aime un bonheur. Et c'est notre but, c'est pour ça que Jésus dit que c'est mieux que je m'en vais. J'ai mieux que m'en vais. Parce que j'ai encore beaucoup à vous dire, mais moi je vais me taire, c'est lui qui va vous dire. Il va continuer l'œuvre de rédemption. L'œuvre de rédemption, c'était organisée, donc impérée par la Père et par la Sainte Trinité ensemble, bien sûr, mais c'est approprié au Père, parce que le Fils dit, Jésus dit, « Ecce venio ut faciem voluntatem tuam. » Voici, je viens pour faire votre volonté. C'est la deuxième personne qui parle à la première personne. Parce que le Père a tellement aimé les hommes, l'humanité, le monde, les hommes, qu'il n'a pas douté d'envoyer son propre fils. Voilà. Donc, c'est très touchant, n'est-ce pas, tout ce qui appartient, tout ce qui est... C'est notre avenir. Et Jésus,
puisque c'est celui qui est l'ascenseur, qui est devenu homme, c'est la deuxième personne qui est devenue homme pour nous amener à Dieu. Il est descendu pour nous amener, mettre sous ses épaules comme une brebis perdue, et de l'amener à la bergerie qui est le ciel. C'est lui. Eh bien, Jésus, c'est lui qui va organiser, bien sûr, concrètement, comme vous savez, on a vu à Pâques la rédemption, mais il va laisser l'application des mérites à une autre personne, à une troisième personne. Il va laisser à cette troisième personne. Et pourquoi ? Eh bien, pour nous initier à Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, il faut devenir plus spirituel. Spirituel vient d'esprit, spirituel. Il faut plus devenir spirituel. Donc, moins corporel, moins sensible. Enfin, être dans l'essence, je veux dire. Être moins sensible, vous comprenez ce que je veux dire. Moins dans l'essence, comme les animaux. Moins animal. C'est vrai. Il faut plus être homme et ange. Il ne faut pas faire l'ange, mais il faut atteindre ce niveau de spiritualité pour lequel nous sommes créés, de lequel nous sommes capables avec la grâce. Et pour ce faire, il va justement partir, se dérober. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même il est trop sensible, encore trop corporel, façon de parler. Si lui, il va rester jusqu'à la fin du monde pour gérer l'Église, ça va être moins bien que si l'Esprit Saint qui va s'en occuper. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint n'a pas de corps, il a un corps. On va trop s'attacher à son corps, à sa personne, à l'humanité. Et comme dit Jésus à celle Marie-Madeleine après la résurrection, ne me touche pas. Ne touche pas mon humanité. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas de moi en tant qu'homme, il s'agit de moi en tant que Dieu. Mon humanité n'est qu'un moyen pour communiquer avec vous, pour prendre votre place sur la croix et vous sauver, mais finalement, mon humanité, c'est un ascenseur que vous avez dans ma divinité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça ne va pas entrer l'oreille et sortir demain, puis on continue à vivre comme les animaux, de vivre avec son corps et oublier son âme. Il faut plus vivre avec son âme qu'avec son corps. Hein. Les gens, au contraire, ils vivent avec leur âme, comme si, leur corps, comme s'ils n'avaient pas d'âme. Hein. Boire, manger, sexe, des trucs machin, des activités, show, voir, écouter, c'est pas tout ce qui est animal, finalement. Eh bien, c'est pour ça que Jésus dit, c'est mieux pour vous que je parte. Que vous ne voyez pas une personne divine. Et une personne divine va descendre. Et moi, je suis surtout essentiellement vérité. Mais lui est essentiellement amour. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez besoin d'amour. Mais ça ne veut pas dire que la vérité n'est pas amour. Parce que c'est une vérité qui engendre l'amour, qui souffle l'amour. Et ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas de vérité. Parce que justement, il va vous enseigner tout ce que je ne vous ai pas enseigné. Il va dire, on va continuer à vous enseigner. Mais c'est un enseignement qui mène directement à l'amour de Dieu, qui est une preuve qu'on aime Dieu. Les 10 commandements sont des preuves qu'on aime Dieu. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est le diable qui nous embête. Mais les commandements sont une possibilité pour prouver qu'on aime et que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, les commandements. C'est prouvé quand. Parce que dire qu'on aime, c'est facile, mais il faut le prouver. Donc, voilà. Quand il va venir, il va vous enseigner toute vérité. Alors, il explique, il va ajouter, voilà, il ne va pas parler de soi-même. Non loquitur asemetipso. Il ne va pas parler asemetipso, à partir de soi-même. Mais tout ce qu'il a entendu, donc reçu, du Père et du Fils, il va vous l'annoncer. L'Esprit Saint est reçu, est conçu. C'est l'Immaculée Conception en Dieu. C'est l'Immaculée, c'est le Saint conçu, il vient de deux autres personnes.
Je dis ça entre parenthèses parce que la Sainte Vierge est immaculée conception, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, plus que nous encore. L'immaculée conception, c'est sa ressemblance avec le Saint-Esprit, la Sainte Vierge. Avec le Père parce qu'elle engendre un Fils. Avec le Fils parce qu'elle est, elle est sagesse, elle a la siège, la sede de Sapientia, Notre-Dame du Bon Conseil. Et voilà, elle est unie avec la Sainte Trinité. Elle a une relation extraordinaire avec la Sainte Trinité, la Sainte Vierge. Eh bien, essayons de comprendre mieux le Saint-Esprit, parce que c'est ça que Jésus veut. Nous, on a l'impression que Jésus est parti, voilà, ils avaient quand même la chance, les Juifs et les apôtres, d'avoir vu Jésus. Et nous, on n'a pas eu cette chance. Non, on a plus de chance, façon de parler. Parce que Jésus, c'est Dieu parmi nous, Emmanuel. Emmanuel fait dire Dieu parmi nous. C'est Dieu parmi nous. Mais l'Esprit Saint, c'est plus fort. Ça va en avant. C'est Dieu en nous. En nous. En notre âme. C'est plus fort. C'est un avancement. Mais nous, puisqu'on est trop animal, n'est-ce pas? Ça nous dépasse. Alors, je ne vois plus. Mais vous le sentez peut-être, j'espère. C'est votre état de grâce, c'est l'âme de votre âme. C'est une amitié avec Dieu, comme l'Esprit Saint, l'amitié entre le Fils et le Père. Il est dans votre état de grâce. Vous êtes un temple du Saint-Esprit. Voilà. Et il y a des saints qui ont eu raison et qui se sont concentrés sur cette spiritualité, comme la bienheureuse Élisabeth, la Sainte Trinité. Elle n'a vécu que de ça, que de voir dans son âme, il faut être en état de grâce, bien sûr, son âme, dans son âme, il y a la Sainte Trinité qui habite. Jésus le dit, si vous me croyez et vous gardez mes commandements, on viendra chez vous, on, au pluriel, nous, les trois personnes. Et celui qui est le plus actif, c'est l'Esprit Saint à qui a été donnée la mission. Il a une mission divine. Il y a deux personnes qui ont une mission décrétée par la Sainte Trinité. La deuxième que vous savez et la troisième que vous savez. Dieu le Père est resté dans le ciel. C'est le fondement des deux autres. Donc nous avons une relation avec les trois, avec trois personnes, vous savez, nous aussi. Une relation très, ce qui Dieu veut la rendre la plus intime possible, comme la Sainte Vierge. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ce que Jésus explique ici. Alors, il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Bien sûr, c'est fondamental. Il va réparer le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est approprier, moi, la connaissance du bien et du mal. Et moi, je juge que d'avoir cette connaissance qui appartient à Dieu, de définir ce qui est bien et mal, que moi, ça m'appartient à moi. Je juge. Et par ça, je vais pécher. Et je vais laisser la sainteté de côté. Donc, je vais pécher. Je rejette la justice, le saint, la sainteté, et je reçois un jugement de Dieu que voilà, c'est un juge qui vous tombe dessus par ça. Un jugement avec, vous savez, toute la suite, le péché originel, rejeté du paradis. Eh bien, l'Esprit Saint va appliquer la rédemption au sens inverse du péché d'Adam et Ève. C'est la réparation. Donc, il va convaincre du péché selon Dieu. Ce qui est vraiment mal. Dieu va décider ce qui est mal et bien. L'Esprit Saint, il va nous éclairer ce qui est bien et mal. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc du mal et du bien, du péché. De plus qu'on est induit de l'Esprit Saint, du mieux qu'on voit ce qui est bien et mal. Eh bien, donc, il va nous donner ça, n'est-ce pas, de cette intelligence. Et Jésus parle d'un péché seulement. Un péché. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Parce qu'ils n'ont pas cru.
Mais c'est le péché qui va damner, qui va les rejeter, qui va les mettre en état de péché mortel. Les pharisiens qui avaient la foi, qui n'étaient pas hérétiques, Jésus le dit, écoutez-les, mais ne les suivez pas dans leur acte parce qu'ils ont quand même une vie pécamineuse. Mais le péché le plus important, c'est de ne pas avoir cru en lui. Ils vont même tuer pour ça. Le péché. Parce qu'ils ne m'ont pas cru. Et c'est encore le péché de tous ceux qui le renient, n'est-ce pas, qui le rejettent, de ce peuple et les autres. Voilà, donc, et de la justice, c'est que Jésus remonte au Père, ça veut dire qu'il va être, si la justice s'excite, c'est lui la vérité. Hein? Donc, il donne un exemple de justice, de bonté, de ce qui est vrai et bon, c'est lui-même. Lui-même, il est vérité. Et la preuve qu'il est vérité, c'est qu'il monte au Père, que le Père va le récompenser. Le Père témoigne que le Fils, c'est vraiment son Fils. Quand il remonte, il va recevoir sa récompense totale qu'il a déjà reçue à Pâques, mais maintenant ça s'est achevé totalement. Il va s'asseoir à la droite du Père. Voilà. Et le jugement, voilà, c'est Dieu qui juge. Le jugement est tombé. Le diable est condamné déjà, en avance. Le diable, il parle du diable seulement, mais il représente tous ceux qui le suivent, bien sûr. Voilà, c'est un texte très intéressant pour comprendre mieux Dieu, finalement, notre but. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge de comprendre cette relation que Dieu veut que nous allons participer, à laquelle nous allons participer. Cette relation, le Père et le Fils, et le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui nous introduit dans la Sainte Trinité, c'est la deuxième personne. Mais une fois qu'on est introduit, c'est la troisième qui va, pour le reste, nous accompagner. Voilà, jusque dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pilato,
et la résurrection de la vie, c'est pour nous et pour nous. Et la chère et la chère de nous, c'est la chère de nous. Et la chère de nous, c'est la chère de nous. Domina rebi nos amoribus, cuius senin omnem et finis. Et Spiritus Sanctus Dominum, et vivificantem, qui ex parte filio quae procedi, qui omnia te et filio, simul anima tua, et qu'on glorifie à tout, qui l'on peut tous espérer profétance. Et d'une santa catholica, et apostolica ecclesia, non finirà l'unba a Cristo, in remissione peccato, et expecto, resurrectione mortuo, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus. Iubilate Deo omnivesa terra. Salmum dici de nomine eius, venite laudite et alabo vobis, omnes qui timetis Deum panta feci Dominus anime mei, alleluia. Per omnia secula secolorum. Amen. Do
Dominus vobiscum. Recum spiritum. Sum caudamus. Adeus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dirum est justum est. Vere dignam et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, esset in hoc potissimum gloriosus predicare, cum pascha nostrim immolatus est Christus, ipse in inverus est agnus, quia absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quae omnimiter celestis exercitus, in un glorietu vecanibus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Salvator, regit sunt caelia et terra, gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
No discovery because we're the sinners. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptus salutaribus comite, et id in ascensione formatio Deus dicere, Ave noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Ac Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
conducteur de l'hypothèse, de la famille consacrée à l'Église, de la famille qui arrive en tout genre, de la famille de l'adversité, sans les seuls sur la toile de vol, dans les deux sens, ils étaient dans la terre, lui a pris le temps de la sur la terre, lui a pris le temps de 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 la terre, Miseriade vestim potere Deus, servicis peccatis vestis percat volat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra solum et dimissione peccatore vetorum, privat vobis omnipotens et misericordia minus. Amen. Et agnus Dei, et peccatoris peccata mundi. Et dominus nostrum dignus, et Jesus peccatum meum, sed ut in libero est in adiutorium meum. Domine non sum dignus de exercitio meum, sed tantum in verbo est ad habitualem mea. Domine non sum dignus de exercitio meum, sed tantum in verbo est ad habitualem mea.
Venerit Paracletos Spiritus Veritatis, ille agovet mundum de peccato et justitia, et io dicio alleluia, alleluia. Domino Vobiscum, Ecum Spiritu Tuo, oremus, adesso nobis Domine Deus noster, ut per equi fidelite succimus, et fugemur ad vitiis, et a periculis omnibus erubamum, per nomen nos mis Christum Filium Tuum, vite convivite degna Trinitate et Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo. Verbum caro factum est. Encore petite annonce, donc je vais faire un catéchisme ou bien je vais répondre aux questions, s'il y a encore des questions sur ce quelque sujet. Je n'ai pas mis le catéchisme du dernier dimanche et ni la messe sur Internet parce que il y a un changement de site. Donc, je ne vais plus être relayé par Klux Sacra Sit Mickey Lux. Mais les sermons sont là et j'ai presque 1000 sermons, conférences, cours de spiritualité, cours de philosophie, des retraites en trois langues. Donc, presque 1000, c'est énorme. Je suis en train de. Mais c'est mis un petit peu en désordre. C'était pas chronologique, c'est dommage. C'était pas moi qui gérais le site. Mais j'ai un propre compte et j'ai vu que c'est très facile d'organiser ça, donc je vais faire ça moi-même ailleurs. Mais donnez-moi un petit peu de temps. Enfin, la plupart est déjà transmis. Et je vais mettre de nouveau. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très bien parce que ça prend du temps. Hein. Si tout le monde travaille ensemble, on pourrait faire des choses extraordinaires. S'il y avait une unité dans ceux qui ont encore gardé la foi, l'unité en pratique, parce que l'Église est une, elle fait partie de son unité, mais une unité qui est plus prononcée, plus activée, plus organisée, plus visible, alors on pourrait faire des choses énormes. Parce que tout le monde fait un petit peu son truc dans son coin. Hein. Il y en a qui ont leur blog ici, un blog là-bas, ils ont leur livre qui font leurs conférences, leur machin. Mais premièrement, ils n'ont pas de mission. Ils font ça sans mission. Parce qu'il faut avoir une mission pour faire vraiment des trucs publics. Un laïc est seulement permis de défendre sa voix et transmettre sa foi par force de sa confirmation. Il a la grâce de confirmation et même son baptême. Et surtout sa confirmation, il peut témoigner, la grâce témoigner sa foi et transmettre la foi à ses enfants, à d'autres, même donner du catéchisme. Mais prêcher, c'est réservé aux diacres, prêtres, évêques.
prêcher le sermon, faire le sermon, c'est à partir du diaconat. Les autres ne prêchent pas. Et on a plein de gens qui prêchent, qui pensent qu'ils savent mieux que les prêtres, qui font la leçon aux prêtres. Moi, je suis d'accord qu'un laïc fasse la leçon à des prêtres qui sont déviés. Ça, c'est sûr. Moi, je suis le premier, ça c'est normal, parce qu'il y en a la plupart qui ne sont plus des prêtres. Ils sont un sacerdoce invalide. Mais pas faire leçon à des prêtres qui sont en ordre. Et en plus, eux, ils ne sont pas en ordre. Parce que si on va parler d'excommunication ipso facto, eh bien, dès qu'ils disent une erreur, une seule erreur, ils ont, quand ils publient, selon le droit canon qui est toujours en vigueur, 1917, une excommunication ipso facto, eux-mêmes. Et cette fois-ci, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas avec un doute, c'est avec certitude. N'est-ce pas? Ils ont une excommunication. Premièrement, on n'a pas de permission de publier. Personne, c'est le droit canon, n'est-ce pas, de 1917. On n'a pas la permission de publier rien du tout, même pas une image pieuse, sans permission de l'évêque ou son délégué. Eh bien, moi, j'ai demandé à mon Seigneur, je dis, oui, faites le censeur, vous faites ça chez vous, je vous fais confiance, parce que c'est assez la théologie. Donc, Mgr Morello m'a donné, moi, j'ai une mission de Mgr Morello, et je suis prêtre en plus. Mais il y a des laïcs qui publient, n'est-ce pas, sans demander la permission, et ils ne peuvent pas dire, oui, mais c'est la crise, et dans la crise, voilà, l'expression confirme la règle. Non, oui, c'est la crise. Mais non, il y aura toujours de bons évêques. C'est hérétique de dire qu'il n'y a plus de bons évêques. S'il n'y a plus des évêques, de bons évêques, l'Église a disparu. C'est contre le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Elle n'est pas seulement infaillible, mais indéfectible. Ça veut dire que rien, il ne peut pas avoir un défect, défectueux. Rien ne peut être défectueux. Donc, il y aura toujours le magistère, toujours des évêques. Eh bien, qu'ils se soumissent, qu'ils se soumettent. Il y a plein de gens qui font des publications et font la leçon à tout le monde. Et pour 99% ou 81% ou 90%, ils ont raison. Mais dès qu'il y a une erreur, ils sont excommuniés. Hein, et le faire sans permission de l'évêque, c'est déjà une transgression de la loi de 1917. Et ils sont contre Jean 23. Moi aussi, je suis contre Jean 23. Mais ils ne sont pas contre Jean 23. Parce que qu'est-ce qu'a dit Jean 23? Ils sont contre Jean 23 là où il est pape. Mais ils ne sont pas contre Jean 23 dans ses erreurs. Et c'est le contraire. Moi, j'accepte le fait qu'il est pape parce que toute l'Église ne peut pas se tromper. C'est scandaleux. J'ai peur de respect pour eux. Mais ils acceptent ses erreurs. Ces erreurs de tout le monde a la liberté de dire ce qu'il veut. On ne va plus intervenir, on ne va plus condamner. Donc tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tout le monde fait son blog. Sans permission, sans imprimatur. C'est l'esprit de Jean 23, ça. Donc c'est tout le contraire. Moi, il faut jeter l'esprit de Jean 23 qui ne condamne plus rien. Donc c'est la semi-hérésie de ne pas intervenir, de ne pas condamner. Hein? Mais voilà. Donc je vous dis ça parce que c'est actuel, malheureusement. C'est actuel. On est en plein dedans. Alors, voilà. Donc, je mets donc, mes sermons, mes conférences, mes retraites, mes catéchismes. Sur un autre, je vais vous envoyer le lien, si vous voulez bien. J'avais déjà ça depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais activé. Mais maintenant, j'ai déjà transmis la plupart des choses, mais je cherche des personnes qui veulent m'aider. Vous savez, si seulement les Brothers Diamonds, qui ont fait un travail extraordinaire, ils se mettaient à disposition des prêtres, que des personnes que je n'ai pas nommées, vous connaissez, qui ont leur bloc, leur livre, qui se mettent à disposition du prêtre pour l'aider sur l'apostolat et de l'évêque, nous serons une force incroyable. Mais maintenant, on est dissipé, n'est-ce pas? Dissipé. Et c'est encore l'Église qui enseigne que c'est bien qu'ils font l'apostolat. Mais c'est quoi l'apostolat? Jésus dit, sans moi, vous pouvez rien faire, zéro, nul. Sans moi, et celui qui vous écoute, m'écoute. Donc Jésus délègue, il a une hiérarchie. L'Église enseigne que l'apostolat des laïcs, le meilleur, et finalement l'unique,
c'est d'aider le prêtre dans son apostolat. On a bien compris ça? L'apostolat des laïcs, c'est d'aider le prêtre dans son apostolat. Et de, l'évêque dans son apostolat. C'est ça, l'Église catholique. Et tout le reste, c'est vivre la liberté. C'est moi, je fais ce que je veux. Je fais mon truc. Je fais, j'édite mes livres, ça me rapporte en plus. Ça tombe bien, mais ça rapporte encore de l'argent, n'est-ce pas? Et voilà, et j'ai mon truc et machin, mes blocs et mes livres. C'est pas l'Église catholique, je vous dis. C'est l'esprit moderne. Et je dis, même si 90% de ce qu'il dit, c'est catholique, hein, mais il y a quelque chose qui coche. Et c'est ça. Et moi, je, personnellement, j'ai décidé de continuer l'Église catholique comme elle est entièrement. Hein. Entièrement. Vous avez ici l'Église catholique, ici, dans cette chapelle, entre ces quatre murs, comme elle était avant le Concile. Je vous assure. Bien sûr. C'est ça l'Église catholique. Avec le respect du droit canon. Avec le respect de l'hiérarchie. Et comme il faut. Voilà. Et j'en suis heureux et j'ai la paix dans le plus profond de mon âme. Et je vous souhaite la même chose. Pax Christi. Maintenant, on va chanter la Sainte Vierge. Domine sanctum pacte nostrum telepum. Exaudi nos indie, quae vocam verimus te, Domine ex aiorazione meiam, et pro nomeum sancte veniat, Dominus fabiscum, et cum spiritu tuum, oremus Deus cui omnis potas divinitas famulatum, na fam lutu regi nostri Filippo prosper solitatis effectum, in face vede divia, te vivi facere contenda, per Christum Dominum nostrum, Amen. Chez nous, soyez la Madame,
sourit et pardonne. Thank you.
Oui,
Nous en faisons pas. C'est très comme quoi et ça sent. Oui, c'est ça. Courage. Merci. Thank you.